Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, c'est Cécile le tapissier. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau. Aujourd'hui, je voudrais répondre à différentes questions qui m'ont été posées par mail. Voilà, des gens m'écrivent et des fois dans les commentaires pour me demander quel est mon parcours et comment des différentes choses sur la manière dont je suis devenue tapissier, comment est-ce que je pratique, comment est-ce que je vois le marché et tout ça. Donc déjà, je vous remercie pour ce type de questions. C'est assez intéressant pour moi de partager mon parcours. Je n'avais jamais pensé le faire, donc je vais le faire dans cette vidéo. Et je vous expliquerai aussi ce que je pense du contexte économique actuel et comment est-ce que je vois les choses et pourquoi est-ce que je pense que les tapissiers auront un bel avenir dans les années à venir. Tout d'abord, on m'a demandé comment est-ce que m'est venue l'idée de devenir tapissier. Alors pourquoi est-ce que moi je suis devenue tapissier? C'est extrêmement simple. C'est un peu un concours de circonstances. Après l'école, je suis entrée à l'école des Beaux-Arts à Rennes. J'ai fait 6 ans d'études là-bas. J'ai obtenu le diplôme national supérieur d'études plastiques à l'école des Beaux-Arts de Rennes. Et pendant que je préparais mon diplôme, j'ai commencé à dessiner des meubles et particulièrement des fauteuils. Parce qu'à l'époque, je faisais des installations dans les espaces. C'était des installations en papier ou des dessins sur les murs, dans les lieux. Et ça disparaissait après les expositions. Et donc, j'avais envie de créer des objets pérennes et habiller un volume avec un objet pérenne. Et donc, tout naturellement, est venu à mon esprit les fauteuils. Puisque pour moi, les fauteuils, ce sont des objets qu'on va habiller, déshabiller, rhabiller. Voilà, on peut leur changer les robes comme on veut. Donc, à la suite de ma formation Beaux-Arts, qui était une formation particulièrement théorique au final, puisque voilà, on faisait beaucoup de conception de projets, de réalisation de concepts, de réflexion, de recherche littéraire, historique et des choses comme ça pour appuyer les recherches que l'on faisait. J'avais dessiné des choses et quand je suis allée faire des devis, ben, je me suis rendu compte, moi j'avais 25 ans à l'époque, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout les moyens de me payer les services d'un tapissier. J'étais bien déçue parce que j'avais une culture de faire travailler les tapissiers, mais ma maman avait un de ses clients qui était tapissier et du coup elle avait fait faire plein de choses à la maison, donc pour moi ça avait déjà une résonance, je savais déjà en quoi consistait le métier de tapissier et je savais que ça pourrait me plaire de travailler avec quelqu'un qui ferait ça. Mais j'avais surtout travaillé des concepts, je ne savais pas la technique. Et donc je me suis dit, bah, après tout, t'as qu'à apprendre la technique parce que déjà, bah, t'apprendras quelque chose à travailler cette matière, quelque chose d'extrêmement concret, ce qu'on appelle un vrai métier, parce que le métier d'artiste, quand je suis sortie de l'école, c'était extrêmement compliqué de trouver l'énergie pour moi de développer ce travail artistique que j'avais fait. Et du coup, je me suis dit, je vais combiner les deux. Je vais combiner l'activité artistique avec l'activité artisanale. Donc, j'ai fait une formation de tapissier dans l'objectif d'éditer mes propres meubles. Alors, j'ai fait plein d'éditions de meubles. J'ai dessiné, créé avec l'aide de mon compagnon qui est ébéniste. On a fabriqué ensemble du mobilier. Et puis, au début, j'ai appris comme ça, j'ai fait une formation. Et assez simple, hein, qui était assez courte à l'époque en région parisienne. J'ai fait une formation pour être honnête de 3 mois parce qu'il y avait une formation qui durait 3 mois et on m'a proposé ça, du coup j'ai fait ça. Et puis après pendant 2 ans, toute seule, j'ai refait les fauteuils de la famille. Donc voilà, j'avais mes sœurs, ma mère, mon père, tout le monde m'a demandé de restaurer les fauteuils. Puis moi ça m'a fait la main, donc j'ai fait ça. Je travaillais dans le garage, dans la grange chez mes parents. Et puis un jour, j'ai décidé de me mettre à mon compte parce qu'au final, c'était devenu mon quotidien de fabriquer des fauteuils. Et surtout, j'avais développé en fait une technique de création que j'ai voulu développer et proposer à des clients. Donc, je me suis installée en Alsace et j'ai ouvert une première boutique en Alsace, à Strasbourg, où je faisais de la rénovation de sièges, mais dans mon style contemporain. Donc, je prenais très très peu de restauration classique, c'est-à-dire que je faisais de la garniture classique, traditionnelle, mais j'y mettais un apport un peu artistique sur les fauteuils. J'avais travaillé des éléments géométriques avec des assemblages de tissus
Et voilà, c'était vraiment c'est ça que j'avais envie de faire, donc c'est ça que je faisais. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que l'atelier en ville me coûtait vraiment très cher. Et j'ai donc décidé, pour pouvoir continuer à faire mon activité professionnelle à mon compte, de déménager pour aller à la campagne, dans un endroit où les charges fixes me coûteraient beaucoup moins cher, et ce qui me permettrait de dégager beaucoup plus de bénéfices et donc d'être beaucoup moins stressée et la vie serait beaucoup plus agréable. C'est ce que je n'arrête pas de dire, c'est que plus vous baissez vos charges et plus vous allez avoir de l'argent dans votre poche. Donc ça, c'était la première chose que j'ai faite et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai continué à faire de la tapisserie de siège. J'ai développé des collections de meubles que j'ai vendues et présentées dans différentes expositions, dans des boutiques, des salons internationaux comme Maisons et Objets, à l'étranger, en Suisse, à Bâle, enfin dans différents endroits. J'ai développé une collection de poufs qui s'appelle Les Poufs de Cécile, qui sont des meubles qui sont fabriqués à 95% de produits recyclés. Et puis un jour, on m'a proposé de donner des cours dans le centre de formation où moi j'avais été formée. Donc j'ai commencé à transmettre mon savoir. Et là, il y a eu une véritable révélation. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup, beaucoup d'intérêt et de passion pour transmettre ce que je savais et toutes les astuces que j'avais développées. Parce que moi, quand j'avais une formation qui était quand même pas mal autodidacte, parce que 3 mois, c'était évidemment pas du tout suffisant. J'avais appris les bases, j'avais fait énormément de fauteuils, j'avais dû faire 3-4 fauteuils dans le mois, donc voilà, j'avais fait au moins 12 fauteuils pendant les 4 mois. Parce que j'avais pas beaucoup de temps, donc j'avais beaucoup d'énergie pour avaler des fauteuils. Mais par contre, j'avais évidemment pas vu tout ce que j'aurais pu voir avec le prof, et ce qu'il aurait été bien. Du coup, j'ai beaucoup travailler seul et de manière autodidacte. Et j'ai développé énormément d'astuces et de trucs pour pallier à des manques techniques et pallier à des problèmes qui pourraient être liés à ma force physique. Donc toutes ces choses que j'ai développées, je les ai commencé à les transmettre pendant que j'étais formatrice dans ce centre de formation. J'ai fait ça pendant 2 sessions de 6 mois dans ce centre de formation. J'ai donné les cours et j'étais aussi responsable là-bas d'accompagner les personnes à faire la préparation au CAP. Je les aidais dans l'apprentissage de l'histoire des styles, tout ce qui était théorique. En fait, je les accompagnais dans la préparation théorique du CAP. Forte de cette expérience, un jour j'ai décidé que j'allais donner des cours pour moi-même dans ma région. Et donc j'ai commencé à développer des cours de tapisserie de siège pour le loisir. Et de fil en aiguille, j'ai eu des élèves qui ont voulu aller plus loin et qui un jour m'ont dit, mais moi ce que je veux, c'est franchement ça me plaît énormément. Et elles ont osé un jour, elles n'osaient pas me le dire, mais j'ai fini par leur dire de se lâcher, quoi, de me dire les choses. Elles me disent qu'elles ont envisagé de se mettre à leur compte, éventuellement d'en faire un travail complémentaire, pas forcément à plein temps. Et là, je leur dis, c'est ok, moi je vais te former, et c'est comme ça que j'ai créé l'école Tori pour les tapissiers du 21e siècle, parce que c'était quelque chose qui était pour moi tellement, tellement agréable de découvrir que je pouvais aider des gens à sortir de leur morosité professionnelle grâce à une activité artisanale que moi je maîtrisais, que je connaissais, dont je connais les rouages économiques. Et voilà, je me suis lancée à corps perdu dans cette activité. Donc aujourd'hui, mon activité tourne beaucoup autour de la formation. Et je développe, grâce au succès en fait de l'école Tori, je peux maintenant commencer de nouveau à travailler sur des projets de création et d'édition. Et ça, je vous en parlerai plus tard parce que c'est dans les projets pour 2022, des nouveaux projets de créativité que je vais intégrer à l'école. Voilà, donc pour la première question, mon parcours c'est celui-ci, assez rapide, mais je pense que c'est déjà pas mal ce que j'ai raconté. La deuxième question maintenant. Alors, on m'a demandé quelles étaient les qualifications et diplômes qu'il fallait pour faire ce métier. Donc, je ne vais pas recommencer avec ce sujet. Je répète encore une fois que le CAP de tapissier n'est pas obligatoire pour exercer ce métier. Il y a déjà 2 vidéos qui parlent de ça. Donc, vous cherchez sur la chaîne. On ne va pas s'étaler là-dessus.
On m'a aussi demandé si j'avais été employée dans un atelier. Alors moi, je n'ai jamais, jamais voulu être employée. C'est un choix de vie personnelle. De toute petite, j'ai toujours su que jamais je serais employée. Ça me faisait chier en fait. J'avais pas du tout envie d'avoir un patron, donc on m'impose des horaires. Donc c'est pour ça que je suis à mon compte, parce que ça m'offre une grande, grande liberté dans le temps, dans l'organisation de mes journées. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Alors évidemment, cette liberté a aussi un prix. Ça demande énormément de travail. De rigueur, je dirais, pour pouvoir tenir le rythme, pour pouvoir se motiver dans les moments où c'est un peu plus calme, même économiquement, ou qu'on n'a pas le moral, ou des fois on n'a pas envie de se lever, mais comme il n'y a pas de patron derrière qui t'oblige à venir à pointer, et du coup il faut que tu te motives. Donc voilà, moi c'est un choix, j'ai jamais fait ça. Je comprends qu'on ait envie d'être salarié. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artisans qui cherchent des employés, mais je pense qu'il y a quand même une certaine quantité de tapissiers haut de gamme qui travaillent sur le marché haut de gamme pour le luxe, qui ont des employés ou qui sous-traitent et qui sont prêts à travailler avec des tapissiers motivés, qui travaillent avec des bonnes techniques. Et des choses qui font les choses avec soin et de qualité. Une autre question qui revient régulièrement, c'est comment est-ce que je décrirais le marché actuel? Est-ce qu'il y a, alors la question c'était, comment décririez-vous le marché actuel et quel avenir voyez-vous du métier? Alors moi je suis quelqu'un d'assez positif, même de très positif, et je pense que le métier de tapissier a un très bel avenir dans le contexte économique actuel. Alors pourquoi? Premièrement, dans la vie en général, quand vous êtes motivé pour quelque chose, cette chose vous porte. Et donc, si vraiment c'est quelque chose que vous voulez faire, vous allez aller au bout. C'est exactement comme le jour où vous décidez de vous marier, même si ça vous fout les pétoches, que vous avez la boule au ventre et tout ça, eh bien, vous allez quand même aller au bout pour vous marier avec la personne que vous aimez. D'accord? Vous êtes capable de surmonter les épreuves. Donc, de mon point de vue, je pense que quelle que soit l'activité que l'on veut faire, il y a toujours une issue pour trouver le bon marché et il y a toujours une possibilité de voir les choses de manière positive. Okay? De mon point de vue, le marché, il est ni bien ni mal. En fait, il est exactement ce que vous voulez qu'il soit. Je m'explique. Quand moi j'ai commencé la tapisserie siège, on m'a expliqué, les collègues que j'ai pu rencontrer, un peu à droite à gauche, m'ont expliqué que si je ne travaillais pas la mousse, qu'en fait que la priorité était d'être rentable, de faire les fauteuils un fauteuil comme ça, tu dois le faire en 8 heures, un fauteuil comme ci, tu dois le faire en 20 heures, l'heure elle coûte 35 euros et pas 50 et pas 15, enfin bon, il y avait des règles extrêmement strictes comme ça qui circulaient, qui pour moi étaient ne correspondait à rien du tout et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait toutes ces règles puisque intuitivement je ne fonctionnais pas du tout comme ça. En fait, ce que moi je pense, c'est que vous pouvez créer le marché que vous voulez en fonction de votre caractère personnel. En réalité, la manière dont moi je suis entrée dans ce métier de tapissier et la manière dont le marché, comme on dit, enfin, c'est aussi cette histoire de le marché, il est comme ci, le marché, il est comme ça. Pour moi, c'est extrêmement corporate, on pourrait dire. C'est très standardisé. Et je pense que l'artisanat ne doit pas être standardisé. Okay? Et je pense que essayer de créer une activité artisanale sur le modèle des standards économiques industriels est une grande, grande erreur. Si un client vient chez un artisan, c'est pour avoir un travail d'artisan. C'est pas pour avoir un travail d'industriel. Okay? S'il veut un produit industriel, il va dans le marché de l'industrie. S'il va voir un artisan, c'est parce qu'il veut un accueil artisanal et un service d'artisan. Qu'est-ce que c'est un service d'artisan? De mon point de vue, c'est la première chose à voir, c'est de commencer par regarder qui est la personne qui est en face de vous et qui vient vous voir.
Les artisans, très souvent, ils passent leur temps à penser en termes de je. Je fais ci, je travaille, je fais ci, je suis comme ça, sans jamais penser. Par exemple, je vends telle marque, je mets tant d'heures. Et tout le temps dans leur phrase, c'est je. Mais la question de qui es-tu, madame ou monsieur, qui vient me voir? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi est-ce que tu m'as choisi moi? Pourquoi est-ce que tu viens ou vous venez, enfin comme vous voulez, je ne sais pas comment vous parlez à vos clients, mais pourquoi est-ce que vous venez chez moi? Pourquoi est-ce que vous m'avez choisi moi? Cette question-là, ils ne se la posent jamais. Or, c'est la question la plus importante. Le marché, il est ce qu'il est en fonction de la manière dont vous abordez les gens qui viennent vous voir. Et se tourner vers les autres et supprimer en fait la valorisation de votre propre personne est la chose la plus importante pour développer une activité qui sera pérenne et qui va satisfaire les gens. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que les gens ils soient satisfaits. Quand vous allez acheter quelque chose dans un magasin, vous voulez ressortir satisfait. D'accord? Si vous ressortez et vous n'êtes pas satisfait, et ben vous n'allez pas revenir. Si vous en sortez d'un magasin, en fait, par exemple, vous allez dans un supermarché, en gros, si vous achetez des chips, d'accord? Si vous achetez des chips, eh bien, que vous alliez dans le supermarché X ou Y, la chips, elle sera la même. D'accord? Ça, je le dis souvent. Eh bien, chez les artisans, il ne faut pas que quand quelqu'un vient chez moi, il ait le même service et le même type de produit que s'il va chez la collègue qui habite là-bas. Il y en a une qui s'est installée à côté de chez moi, une jeune femme tapissier, à 15 km de chez moi. Et du coup, je lui souhaite d'ailleurs la bienvenue. Ce qui compte, c'est que vous fassiez des choix et des choix conscients en direction de ce que vous, des raisons pour lesquelles vous avez décidé de faire cette reconversion professionnelle. Si votre projet de reconversion professionnelle repose sur des problématiques uniquement pragmatiques du type quel est le marché, quel est le volume de chiffre d'affaires potentiel, combien est-ce que je vais gagner et des choses comme celle-ci, eh bien votre projet professionnel va forcément à l'échec. En tout cas, c'est le point de vue que j'ai. Et je pense qu'il faut absolument que vous partiez de vous-même pour développer votre entreprise, mais que ce qui va sortir de vous doit être au service des clients et doit permettre de transformer la vie des gens. Finalement, ce que je pense, c'est que la manière dont vous allez aborder votre clientèle et la clientèle que vous allez construire, l'image de marque que vous allez développer, va dépendre des choix conscients que vous allez faire pour votre projet. Ces choix, ils doivent être pragmatiques, mais aussi émotionnels. Ce que je veux dire par pragmatique, c'est que ils doivent correspondre aux objectifs et aux raisons pour lesquelles vous avez décidé de faire ce projet. Pour cela, il faut parfois faire table rase des candidatons, de ce que votre entourage va pouvoir vous dire, ça n'existe pas. Par exemple, je me souviens d'une personne qui est entrée dans la formation, j'ai une élève qui est entrée dans la formation et qui a décidé de vouloir faire de la tapisserie de siège. Et quand elle a dit ça à son entourage, ses collègues, voire même des membres de sa famille, ont été extrêmement surpris et n'ont pas du tout compris, pas son projet, mais plutôt le métier lui-même. Et on pensait que c'était quelque chose qui était complètement déconnecté de la vie contemporaine. Et elle a décidé de ne pas écouter ce que les autres lui disaient et d'écouter ses intuitions et ses volontés personnelles. Je pense que si vous vous connectez et que vous êtes attentif, que vous prenez l'habitude d'être attentif à vos sentiments profonds et vos intuitions, vous allez créer une entreprise qui va vous ressembler au maximum. Et plus vous allez vous rapprocher de cette entreprise qui vous ressemble, et plus vous allez paraître sincère auprès des gens, et naturellement, des clients qui vont se reconnaître dans votre démarche et dans votre communication, dans votre manière d'être et de présenter les choses, vont venir vous voir. Moi, je pense que le métier de tapissier a un bel avenir si il respecte
une règle d'or. Cette règle, c'est de porter des valeurs claires qui sont celles du métier d'art qu'il représente et qui ne sont pas dépendantes et surtout influencées par l'industrie du meuble. Je veux dire qu'il faut que les artisans tapissiers marquent leur territoire et valorisent leur territoire en expliquant et en démontrant par leur savoir-faire, leur attitude et leur convivialité que ce qu'ils font apporte une valeur matérielle, sentimentale, mais aussi économique parce qu'elle valorise le patrimoine. Donc c'est un investissement en fait. Quand on fait travailler un tapissier, on investit dans son histoire familiale. On investit pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Et si les artisans tapissiers réussissent à mettre ces notions-là en valeur de manière sincère et dans leur pratique aussi de manière honnête, alors le métier de tapissier a un très bel avenir. Et en plus, je pense aussi que ceci va être vrai s'il utilise les outils numériques, parce que grâce aux outils numériques, je le dis assez souvent aussi lors de mes conférences mensuelles, je dis assez souvent que les outils numériques sont vraiment des outils très intéressants à ajouter à l'économie et au modèle économique des artisans d'art, parce qu'ils sont une manière de diffuser notre savoir-faire et nos prestations et de se montrer avec des coûts extrêmement faibles. Ce qui fait que finalement, on va pouvoir développer des entreprises extrêmement prospères et avec beaucoup plus de marge que ce que l'on a pu connaître par le passé avec un modèle qui prônait le fait d'avoir des boutiques, avec pignon sur rue et des charges très lourdes et des choses comme ceci. Donc voilà, ça c'est un point de vue qui est extrêmement personnel, mais après tout on me posait la question, donc voilà, je donne mon point de vue. Je pense que l'avenir des tapissiers est corrélé à l'attitude qu'ils ont. Et plus nous serons dans cette idée de partage, de connexion des ateliers les uns avec les autres, de valorisation de nos travaux, de nos savoir-faire, en valorisant des techniques qui correspondent à nos métiers et pas des techniques qui correspondent à l'industrie, alors on va porter ensemble les choses au grand jour. Et aujourd'hui, il est évident que la proposition d'objets et de savoir-faire qui valorise une économie économe en énergie, une économie qui tient compte des besoins des humains, qui ne va pas surexploiter les gens. C'est vraiment toutes ces notions qui sont aujourd'hui portées dans le monde entier par des milliers de personnes sont finalement des notions qui sont à l'origine de notre métier de tapissier, comme de beaucoup de métiers d'art d'ailleurs. Et donc, après avoir eu une période où finalement les tapissiers ont essayé d'aller vers les techniques industrielles en pensant qu'ils seraient plus rentables et que c'est ce que les gens voulaient, du moderne, des choses comme ça, on peut revenir aujourd'hui à des techniques plus traditionnelles en utilisant des outils modernes pour le coup, comme le numérique pour valoriser la communication, pour se faire connaître, ou alors même pour la production, en utilisant des tissus, des impressions textiles personnalisées, numérisées, des choses comme ça. On peut faire du découpage numérique, on peut faire énormément de choses grâce aux techniques modernes. Mais à mon avis, il est fondamental de puiser dans la technique traditionnelle du métier pour l'associer aux techniques contemporaines, autant dans
la manière de diffuser le travail, mais aussi dans la manière et l'originalité que le travail et l'originalité, je dirais aussi la singularité que nos activités artisanales permettent. Nous pouvons faire du sur-mesure, nous pouvons faire des choses très personnalisées, et c'est pour cela que les gens viennent voir les artisans, et je pense que c'est vraiment là qu'il faut aller pour développer une activité professionnelle. La dernière question qui m'avait été posée par cette personne, notamment qui m'avait écrit un message, était de savoir si j'accepterais de prendre des stagiaires de leur formation professionnelle. Alors, moi personnellement, je ne prends pas de stagiaires. D'abord parce que je forme des gens moi-même. Et en plus, ce que moi je pense, c'est que l'idéal, et c'est ça que j'enseigne dans la formation, dans le programme de formation Tori, c'est d'être stagiaire dans sa propre entreprise. Pourquoi est-ce que je ne prends pas de stagiaire? Et pourquoi est-ce que ce n'est pas un modèle que moi je valorise particulièrement? C'est très simple. Un stage, ça sert à quoi? L'idée de faire un stage, c'est d'être en immersion dans une entreprise pour voir comment cette entreprise tourne. En général, un stage, il va tourner entre une semaine ou 2 mois, j'imagine. Dans les formations, c'est en gros, c'est qu'ils font peut-être des stages de 2, 3 mois. Mais quand on est stagiaire dans une entreprise de tapissier pendant 2, 3 mois, on n'a peut-être pas tout à fait finalement une vue générale. On n'a pas le temps de voir une vue générale de l'activité de l'entreprise. C'est pourquoi je pense que l'idéal est d'être stagiaire dans sa propre entreprise. Et que pendant votre formation, de pouvoir développer vous-même les connaissances et expérimenter la position de chef d'entreprise, de tapissier, de couturière, d'agent commercial, d'agent marketing, de toutes ces casquettes nécessaires à la réalisation d'un atelier de tapisserie de siège. Et bien, mon avis, c'est ça qui est le plus important pour moi. Et donc, c'est plutôt ça que je valorise, c'est que vous expérimentiez ce stage avec vous-même et avec votre propre projet. Parce que si vous allez faire un stage chez quelqu'un d'autre, alors évidemment, vous allez voir comment ça fonctionne ailleurs. Ça peut très bien vous convenir. Mais ce sera toujours ce que vous allez faire dans cette entreprise va toujours correspondre aux valeurs de la personne chez qui vous allez faire ce stage. Et donc, vous allez vous éloigner de vous-même et vous éloigner de l'origine de cette reconversion professionnelle et des raisons profondes pour lesquelles vous allez faire cette reconversion professionnelle. Donc non, moi je ne prends pas de stagiaires. Peut-être que mes élèves qui sont aujourd'hui à leur compte prendraient des stagiaires. Il faut juste les contacter et leur poser la question. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des questions. C'était un peu long comme réponse, comme vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Vous pouvez continuer à me poser des questions et je répondrai. Mettez tout ça dans les commentaires. Et voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, eh ben, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ben, je vous dis maintenant au revoir et à bientôt pour une autre vidéo. Salut!